عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الرجراجي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني لمواجهة البرازيل والبيرو، وهؤلاء طبعا أبرز الغائبين. تعالوا مع بعض نسمع ماذا يقول. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. يلا نسمع. لاكوي اللي احتنا من رجعنا وسورتو على ليد اللي احتنا قبل المونديال في المونديال لو مورال اللي احتنا اي ابري المونديال. Donc voilà, au coach, il est qui a Alina fait le Montserrat. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil, Inch'Allah, le 25 mars au Grand Stade de Tanger. Et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au Stade Metropolitano de Madrid. Donc comme vous allez voir, avant de donner les joueurs, l'idée première, Liken Handy, il y a de garder quand même une ossature du groupe. Comme j'ai dit, Macan Brech, l'ingratitude. Et Ocha, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent beaucoup de changements, mais c'est ce groupe qui nous a ramené en demi-finale de Coupe du Monde, Oli Farah El Mgharba. Donc, Mansaouch, le très bon travail, Lidero. Mais il y aura quand même quelques changements et quelques joueurs qui viendront dû aux blessures et dû aussi à l'évolution de l'équipe, de ce que je veux voir dans quelques temps et surtout à l'avenir. Voilà. Ensuite, on aura les questions, Inch'Allah. C'est ça ? Ouais. Alors voilà, les gardiens de but. Donc, on aura les trois gardiens de la Coupe du Monde. Et Ima Yassine Bono du FC Séville, Anna Mounir Khajoui de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Reda Tagnaouti du Wydad, et on aura Mehdi Ben Abid du FUS de Rabat. Les défenseurs, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Naïf Aguer de West Ham United en Angleterre, Ranem Seys, le capitaine de Beşiktaş en Turquie, Nosser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Shadi du FC Barcelone, Achraf Dari du Stade Brestois en France, Joël Yamik du Real Valladolid en Espagne, Abdelkader Abkar du Deportivo Alaves en Espagne, Yahya Atiatullah du Wydad de Casablanca et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux, Aziz Ounahi, Olympique de Marseille en France, Benjamin Bouchouari de Saint-Étienne en France, Bilal Erkannous du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdelsamad El Zazouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nasseri, FC Séville, Espagne, Anas Zahouri, Burnley FC en Angleterre, Walid Chedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdullah, Al-Tihad Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Goufal, Al-Rayyan SC Qatar et Ibrahim Salah, Stade Rennais en France. Donc on sera une liste de 30. On a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique. C'est une donnée importante pour moi de préparer aussi l'avenir, qui sentent le groupe. Peut-être que dans certains de ces jeunes joueurs, en cours de semaine, ils pourraient réintégrer, pour information, les U23, parce qu'ils ont des matchs amicaux, ils préparent la Coupe d'Afrique U23. Mais l'idée pour moi, c'est de les intégrer rapidement.